On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, comme vous voyez derrière moi, donc c'est un peu une vidéo spéciale. Donc j'avais envie de vous faire une vidéo vlog, un vlog créatif, vous emmener un petit peu avec moi dans ma journée et voir un petit peu ensemble, voilà, une journée créative. Alors là, actuellement, donc il est bientôt midi. J'ai mon petit bébé qui dort, j'ai mon homme qui travaille, donc je suis toute seule à la maison. Il fait super beau dehors, donc moi j'ai des... Je sais pas si vous voyez, j'ai des pluies de lumière à la maison, donc on voit qu'il fait magnifique, on a plein de luminosité. Et donc c'est top. Et alors je vous propose de venir avec moi, donc on va aller sur mon bureau un peu scrap coloriage et on va voir un peu les projets en cours. Je crois que j'en ai plusieurs, on va un petit peu regarder ça. J'ai envie d'avancer dans mes projets, j'ai envie d'avancer dans mes vidéos. Et donc voilà, j'en profite aujourd'hui tant que mon petit bébé fait dodo. C'est parti! Go go, je vous emmène avec moi. Hop! Bon, c'est la première fois que je fais un vlog, hein. J'ai pas l'habitude, donc voilà. Bon, excusez le bazar, hein. Je pense que vous pouvez voir. Oh, il y a des choses à faire, hein. Donc je pense que la première étape, avant d'un petit peu commencer tout ça, je vais ranger, je vais essayer de faire un peu plus propre mon bureau et voir un petit peu ce que j'ai envie de faire, soit du scrap, soit du coloriage, je sais pas encore. Parce qu'en fait j'ai une copine qui m'a imprimé plein de photos. Je vais vous montrer ça. Regardez un peu. Voilà, toutes les photos de ma petite fille quand elle est née. Donc voilà, j'ai de quoi scraper, je crois faire de belles créations. Donc j'ai vraiment envie d'attaquer ça. Donc voilà pour ça. Sinon j'ai aussi mon bullet journal qui est là. Donc j'ai aussi mon coloriage dans le livre Peter Pan. J'ai envie de faire un petit peu d'autres colos aussi. Donc on va voir tout ça. Mon première étape, je pense que c'est indispensable de ranger parce que là on ne s'y retrouve plus. Donc c'est parti! Voilà, on s'y retrouve un petit peu mieux sur mon bureau. Je vais vous montrer ça, c'est déjà plus clair. C'est déjà un peu plus clair, donc voilà. Ça donne déjà un peu plus envie. Maintenant, il y a le matelas pour ma fille qui est juste là, que je vais retirer parce que je ne la mets plus là. Elle a plus de 6 mois et elle tient pas en place, donc je peux plus la mettre là. Donc je vais pouvoir récupérer un petit peu de place sur mon bureau. Quand je colorie, maintenant, je mets ma fille par terre, en fait. Je la dépose là. Voilà, je la dépose là sur son tapis. Et elle est à côté de moi pendant que je colorie. Donc, on va arranger ça ensemble. Je vais retirer le petit matelas. Hop. Je sais pas encore où je vais le mettre. En attendant, il sera bien par terre. Voilà. Ouah, ça me fait bizarre. J'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de place maintenant. Voilà. Et alors, je vais pouvoir mettre du coup, je vais pouvoir mettre mon ordinateur ici. Comme ça, quand je colorie, je pourrai regarder soit une série, soit vos vidéos en même temps. Nickel. Bon, allez, je vais voir ce que je vais faire et on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, je suis installée. J'ai décidé de colorier dans mon livre Peter Pan, faire mon prochain débriefing colo. Voilà, j'avance bien. Enfin, je suis pas très loin dans le livre, mais j'avance quand même. Donc voilà, je vous montre pas trop parce que sinon ça spoilerait la vidéo de la fois prochaine. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que j'utilise des crayons aquarelles de chez Action. Voilà, et je m'éclate. D'ailleurs, il faut que je prenne mon pinceau à réservoir d'eau. Enfin, il faut que je ressorte un peu de ma tasse. Donc voilà, je vais continuer ça maintenant. Et après, je vais commencer peut-être un projet scrap. Avec mes photos. J'ai bien envie. Donc voilà.
Donc je vous retrouve, il est 14h40. Donc j'ai mangé, j'ai donné à manger à ma petite chérie. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, en fait, je suis retournée sur mon coloriage de Peter Pan que j'avais déjà terminé et j'essaie d'encore l'arranger parce que finalement, il me plaît pas. Et vous savez quoi, les amis? Il y a ma fille qui rigole à côté. Vous savez quoi? Je pense que c'est officiel. Je viens de rater mon premier coloriage de Fabiana Attanasio. Donc, je vais essayer d'encore le rattraper. Je sais pas. Enfin, j'essaie de faire des effets avec le Posca blanc. Mais les effets de lumière avec le Posca, un Posca différent que j'utilise d'habitude, un peu moins intense. Et pour l'instant, ça me plaît pas trop, donc je vais essayer d'y retoucher tantôt. Mais en attendant, j'ai mon petit Ouistiti qui est là, je vais vous la montrer. Donc voilà, j'ai un petit peu profité d'elle, un petit peu joué avec elle. Et alors, je pense que tout à l'heure, avant de recommencer un petit peu mes coloriages et mes créas, j'ai envie de continuer un petit livre que je suis en train de lire. Donc oui, parce que j'aime beaucoup la lecture aussi, ça fait aussi partie d'une de mes passions. Et pour l'instant, en fait, je suis en train de lire celui-ci. Donc, Jojo Moyes, donc Après toi. Donc, c'est la suite de Avant toi. Et donc voilà, j'aime bien m'installer dans mon fauteuil avec mon bébé dans les bras et voilà, continuer ma petite lecture. Donc je vous tiendrai au courant si c'est bien ce que j'ai fait ou pas. Mais pour l'instant, je vais jouer avec mon bébé et on se retrouve tout à l'heure. Bon, les amis, petite update. Donc comme je vous avais dit tout à l'heure, je suis bien en train de lire. Donc j'ai mon livre ici sur mes genoux. Mais je ne suis pas dans mon fauteuil, je suis à côté de ma petite louloute qui joue à côté de moi. Voilà, comme ça je peux m'occuper d'elle et en même temps lire, avancer un peu dans mon livre. C'est plus facile. Et je la laisse sur son tapis. Et donc voilà, je vous ferai peut-être un petit retour tantôt par rapport à ce livre et par rapport à ma lecture si jamais ça peut vous intéresser. Donc on sait jamais. Dans le petit vlog, on peut parler un petit peu d'autre chose que du coloriage. Parce que pour l'instant, comme je vous ai dit tantôt, c'est pas terrible le coloriage. J'espère que je vais le rattraper. Donc voilà, la petite update. Je continue ma lecture et on se retrouve tantôt. Je ne sais pas si vous avez lu le premier livre, donc c'était Avant toi de Jojo Moyes. Moi, j'ai trouvé qu'il était génial. C'est une petite pépite, franchement, je le conseille à tout le monde. Super. Ici, pour la suite, j'ai un peu du mal à rentrer dedans. Donc je suis à 120 pages plus ou moins. Et les 100 premières pages, j'ai un peu eu du mal. Je trouvais qu'il y avait des longueurs. Il fallait que je me ressouvienne aussi de l'histoire précédente. Parce qu'ils font pas vraiment beaucoup de rappels. Mais voilà, maintenant je trouve que l'histoire commence à avancer. On commence à être dedans. On commence à avoir des petites questions qu'on se pose et tout. Donc voilà, je trouve que maintenant ça commence à être sympa. Donc ça a mis quand même un peu le temps. Donc voilà. Re tout le monde. Donc voilà, je suis maintenant de nouveau dans mon atelier. Donc j'ai rattrapé mon coloriage dans le livre de Peter Pan de Fabiana Attanasio. Donc voilà, il me convient. Ouf, sauvé. Vous le verrez normalement dans un prochain débriefing colo. Et vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Donc j'ai vraiment beaucoup travaillé. J'ai fait des couches, j'ai repassé, re-repassé, j'ai effacé, recommencé. Enfin bon, je vous expliquerai tout ça lors du prochain débriefing colo. Enfin, quoi qu'il en soit, il est fini. Je peux passer au coloriage suivant. Je suis contente. J'ai utilisé quand même pas mal de matériel. Donc c'est pas dans mes habitudes. Mais voilà, j'en avais besoin pour ce coloriage-là. Donc voilà, j'ai fini aussi de lire, enfin je l'ai pas fini le livre, mais j'ai bien avancé dans ma lecture. Mais là, voilà, mon bébé dort, moi j'ai envie de retourner un petit peu dans mes créas. Et là, donc comme je vous avais dit ce matin, j'ai mes photos qui sont imprimées et j'ai vraiment envie de commencer à les travailler. Donc voilà, j'ai un peu réfléchi au projet que j'allais faire. Je sais pas trop encore exactement vers quoi je vais me lancer. Donc voilà, en fait, si vous savez pas, moi je fais du coloriage, donc sur ma chaîne, vous l'avez vu, mais je fais aussi beaucoup de scrapbooking. Donc, je fais du scrapbooking depuis plus longtemps que du coloriage, mais j'avais préféré ouvrir une chaîne coloriage parce que j'avais plus de choses à partager et voilà, à proposer par rapport à ça,
le scrapbooking, on voit déjà tellement de chaînes et voilà. Inventer vraiment un tuto en scrapbooking, c'est pas évident. Mais bon, si un jour ça doit arriver, je vous ferai certainement une vidéo là-dessus, pourquoi pas. Mais voilà, ici j'ai envie de faire un projet donc avec mes photos comme je vous ai montré tout à l'heure. J'ai toutes mes photos qui sont ici, je vous les montre. Donc voilà. Et alors j'ai pris une boîte bébé. Donc, qui s'ouvre, qui a une ouverture comme ceci. Voilà. Et je l'avais justement gardée en exprès pour faire peut-être voilà, une petite boîte à customiser dans laquelle dedans je pourrais mettre des petits albums photos ou des choses comme ça. Donc, cette idée de boîte comme ça vient pas de moi. Moi, je reprends ça d'une copine qui fait des magnifiques choses. C'est l'idylle en fait qui fait ça. Et donc je m'inspire un peu de sa manière de scraper pour moi aussi faire des beaux petits albums. Et donc voilà, je pars sur cette idée-là de boîte avec des petits mini dedans, mais je sais pas encore combien, sous quelle forme. Donc voilà, je vais commencer tout ça. Donc peut-être que vous verrez des petits trias en cours, je sais pas moi. Mais j'ai bien envie d'avancer là-dedans. Ce que j'aime pas trop faire, moi, personnellement, c'est la structure des albums. C'est un peu pénible parce qu'il faut mesurer, il faut découper, il faut coller. Mais il y a rien de très très funky parce qu'on colle pas les photos encore, on met pas les embellissements, et tout ça. Donc voilà, on va voir. Pourquoi pas peut-être commencer par décorer la boîte. Moi, j'aime bien faire la boîte et tout ça avant, on verra. On va voir, je vais sélectionner maintenant mes papiers, mes embellissements. Peut-être trier mes photos aussi pour les mettre dans l'ordre, pour voir un petit peu dans quel ordre j'aimerais bien les ranger, pour faire peut-être des petits albums à thème. Donc voilà. Et une fois que j'aurai fini ça, si j'ai encore le temps, j'aimerais bien peut-être encore faire un colo. Et puis après, la journée sera terminée. Je vais faire le montage peut-être de cette vidéo. Et bon, après, il me restera faire à manger, continuer le ménage, m'occuper de. Voilà, du ménage, de la maison, etc. Forcément, hein, c'est bien d'avoir des loisirs créatifs, mais on peut pas faire que ça, malheureusement. Donc voilà, petit programme, je vous montrerai l'avancement de tout ça et je vous dis peut-être à tantôt. Donc voilà, j'ai sélectionné, donc comme je vous ai dit, j'ai trié mes photos, j'ai sélectionné mes papiers pour décorer la boîte. Donc je vais prendre ce papier-là qui vient de chez Action pour faire voilà, les grandes surfaces d'un côté et de l'autre. Et pour faire les tranches, voilà, un papier comme ça avec des petites étoiles. Seulement le souci que j'ai, c'est que donc il y a des motifs sur la boîte. Et j'aimerais bien en fait recouvrir ces motifs d'une peinture. Mais pour l'avoir déjà testé, le faire à la main, c'est très long. Ça, il faut mettre plusieurs couches. Et en plus, c'est jamais, ça sèche pas vraiment de manière homogène. On voit toujours à travers des petits. Voilà, ça me plaît pas. Donc en fait, ce que je voudrais faire, c'est bomber en fait, mettre de la bombe d'une certaine couleur à l'intérieur de ma boîte et à l'extérieur. Comme ça, ce sera bien top nickel. Ça va vite, ça sèche vite et c'est bien opaque et tout, normalement. Mais le souci, c'est que je n'ai pas de bombe de peinture, donc il faudrait que j'aille en acheter. Donc je sais pas très bien où, je sais qu'ils en vendent chez Action, mais j'ai pas envie d'acheter quelque chose qui n'ira pas ou de très mauvaise qualité, je sais pas du tout. Je n'en ai jamais testé, donc à voir, je vais. Donc j'ai tout sélectionné, j'ai même sélectionné mes papiers là-bas, des embellissements déjà pour commencer de base. J'ai en tête des idées pour faire mes mini-albums et donc ça je vais les travailler avec ma silhouette. Donc en fait je vais sur mon ordinateur je vais faire des motifs que je vais découper pour avoir une base pour mes albums, mais vous verrez tout ça prochainement. Mais donc voilà, pour l'instant je vais laisser ce projet en suspens, juste le temps d'acheter une bombe de couleur. Donc j'hésite un peu sur la couleur, peut-être du doré pour faire tout le fond en doré et comme ça sur les tranches, quand je collerai mes papiers. On verra, je laisserai un petit 0,5 mm, on va dire, quelque chose comme ça, un petit. Et on verra des petits bouts dorés, quoi. Donc on verra. Pour l'instant, je laisse tout ça de côté. Prochaine étape, acheter une bombe de peinture pour avancer dans mon projet.
Et là, je vais peut-être avancer sur ma silhouette ou faire mon colo, comme je vous avais dit tout à l'heure. Donc voilà. Voilà les amis, donc moi je vais vous laisser ici pour ce premier vlog. J'espère que ça vous aura plu. Moi je vais encore continuer peut-être du coloriage, mais tout à l'heure quand je serai en pyjama, tranquille, devant la télé ou quoi, je vais voir. Là pour l'instant je vais m'occuper du repas, un peu le ménage, comme je vous ai dit tantôt. Donc voilà, je continue un colo dans le Girl Power ce coup-ci. Voilà, bah j'espère en tout cas que ce premier vlog vous a plu. Moi ça m'a fait extrêmement plaisir de vous le faire. Je me suis vraiment éclatée. Comme ça, je vous partage un petit peu aussi mon quotidien, un petit peu mes autres passions. Donc voilà, j'ai eu le temps aussi de vous filmer un débriefing colo entre-temps. Donc c'était pas prévu. Puis comme la petite dort, je me suis dit allez, j'en profite parce que c'est vrai que pour filmer, il faut qu'il n'y ait pas trop de bruit, quoi. Et donc voilà, en tout cas, moi je vous laisse ici, je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!